Mmh. Tu serais pas un chien qui veut des caresses par là, toi. Raconte-toi. Bernard. Merci, ma pute. Merci, je suis tout à fait. Audition. Waouh. Foutu une Nesquik. En format pour deux. De quoi c'est pour boire format. Il plus. J'ai trouvé. Ok. C'est ce qu'il a trouvé. Mais je sais pas là. Ça porte bien son nom, ça. Filme ça. Ni clou ni vis. Ça fait ni le travail d'un clou, ni le travail d'une vis. Ah, il a disparu. Salut Jeanne. Bonjour. Hey, Senior Rock. Step back on. Charge-moi, comme ça, il parle. Tu peux un peu. Tac. Du pain. Excusez-moi, je suis gérant du magasin, vous pouvez couper votre caméra s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr. Merci. Eh bah, fumier. Non mais les gars, c'est le vent, ça m'émeut. Toujours se laver les mains dans une eau qui est pas propre elle-même. Elle va me pousser, elle. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Damien, voilà, beau plan. Filme ça. Filme ça. Petit plan comme ça. Bien, bien. T'es chef opérateur, toi. Cadre professionnel. Il fait ça depuis qu'il est tout petit. Parce que, bien sûr, c'est super important de savoir. Ce gars-là il s'appelle Soigné Bugnard. Il a 27 ans. Il est cascadeur depuis 25 ans. Et aujourd'hui, il nous démontre ses prouesses techniques dans cet arbre au-dessus de la rivière qui s'appelle l'Oignon. Si vous voyez aujourd'hui, c'est parce qu'il a voulu relever ce défi depuis plusieurs années de monter cet arbre. Regardez bien, chaque prise est très importante. Elle va lui permettre de se stabiliser comme un chef cuisinier dans un restaurant 5 étoiles. Le principe est simple, voyez, il s'accroche aux arbres. La difficulté première, c'est surtout les mousses. Elles sont ultra inadhérentes et surtout elles sont souvent mouillées, ce qui en fait rend la chose encore plus difficile qu'elle l'est déjà. Touchez. Voyez ça? Ça s'envole comme du papier. C'est justement ça qui est super dangereux pour lui. C'est qu'il peut à tout moment glisser, se faire la clavicule, tomber dans l'eau, se faire manger par un silure et crever. C'est un chien, on l'a acheté dans une ferme. Mais bon, c'est pas ça le problème. Voyez comment il est agile? C'est parce qu'il adore les balles. En vrai, venez, on est trop bien là.
m'appelle Frédéric de Méricourt. J'ai 27 ans et je suis présentateur télé chez BFM TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois caractéristiques importantes pour finir vos examens d'école. Premier, la philosophie. Très important, regardez ce chien. C'est un berger allemand de 1906. Encore aujourd'hui, il est encore vivant et a une ténacité à faire mourir quelqu'un qui a l'âge d'une mémé asiatique. Regardez ce terrain, il est super bien damé. Comme on peut le voir, j'ai fait un jeu de mots avec la série Dahmer. En fait, tout le monde est victime de la société ou des choses qui l'environnent et qui l'amènent à justement procurer ce désir de victime à quelqu'un d'autre. Ici, vous voyez ce terrain de tennis qui est assez surélevé, ce qui est peu commun, comme vous pouvez voir ces joggeurs professionnels. C'est que il y a un lien transcendant et immanent, c'est-à-dire que la religion qui nous sépare de Dieu et du sol. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric de Méricourt, j'ai 27 ans et aujourd'hui je vais vous faire mon spécial show sur BFM TV à 19h30. Youpa, viens ici s'il te plaît. Voici mon dog. Oh, ouh, oh putain, il a fini son ascension, il redescend, faut aller voir ça, venez avec moi. Vous me suivez ou pas? Stop! Monsieur, on aurait quelques questions à vous poser, s'il vous plaît. Je crois que c'est un gift, comme on dit chez Muskilangue. Vous avez dit quoi? Ningangu. Matafeto. D'accord, mais. Ok! Ah, waouh! Oh, il m'a mis une bosse. Ah, j'ai la trace! Il a la trace. Des crocs Scooby. C'est dans la gueule là. Le léger. Il est vraiment trop bien cet arbre, je vous conseille de venir. Ils ont l'enfant heureux, parce que j'aime les frites au coin du feu. Avec les sandales plastiques. Tu m'aimes même pas aller dans l'eau, parce qu'elles sont pas aquatiques. Alors que moi, regarde mes choses. Elles marchent sur l'eau, je suis Jésus, je peux aller où je veux. C'est parti, est-ce que tu veux une démonstration? Oui. C'est parti.